Monde qui m'emmène ici, de retour sur Neverwinter. Je trouve ça assez gag, ce qu'on voit là pour le moment. Ils ont un peu changé, ils essaient d'améliorer leur jeu peut-être, je sais pas. C'est bien parce que quand il y a les nouveaux joueurs qui, l'histoire de package, d'obtenir gratuitement, beaucoup de gens ne savent pas où aller, qu'est-ce qu'il faut faire. On clique dessus. Hein, si je m'en rappelle bien, celui-ci, je crois que c'est une histoire avec le PC ou quelque chose comme ça. Tu vois ça, ouais. Ah, ça t'indique directement que t'as encore le scarabée hein, disponible. Et pour moi, il y a un bug parce qu'à chaque fois que je le prends, à chaque fois, il est toujours disponible. C'est pas grave. Et bizarrement, j'ai ça. En sachant que normalement, je peux pas l'avoir. Mais bon, il m'en redonne un autre. Mais bon. Ok. En tout cas, les conseils du jeu. Génial! Ok, ben moi je vais arrêter Neverwinter là parce que pour moi ça sert plus à rien. Voilà. Ouais, voilà, tu vois les petits événements et tout. Je sais pas, franchement j'aime bien quoi. Hein, regarde, on regarde bien là. Il y a vraiment de tout quoi. Et je trouve ça génial. Ils ont amélioré une pourcentage dans leur jeu, c'est bien. C'est bien, bravo. Vous feriez bien de vous accorder la faveur des dieux. Bravo, bravo, voilà quoi, tu vois, voilà, mise à jour de la sublimation, que pour moi c'est toujours une vaste connerie parce que j'ai plus de 100 000 points de sublimation, je sais toujours pas augmenter mon truc. Je te jure. On se fait avoir avec cette histoire de sublimation, mais ça c'est moi. Ouais, je trouve ça génial quoi. Et directement, je me rappelle plus si on peut tomber directement sur les événements, mais bon, je me rappelle absolument pas. Attends, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Dont Timora, ouais, ça passe encore. Oh, regarde, encore une histoire de prendre de l'argent. Ah oui, ça oui. Bienvenue dans Ouais, le ça c'est monde pas mal. des Celui-là, le dieux. jubilé, c'est pas mal. Et encore le même loot, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. Défi du dieu, ça c'est gag. Ça c'est pas mal aussi. Oh, regarde, encore un moyen de nous prendre du fric. Moi j'ai rien à rappel. Ouais, j'ai toujours pas pris de VIP. Prout. Proton. J'ai toujours pas pris. Donc DPS. Ouais, d'accord. Donc DPS. Pas mal. Bon, qu'est-ce que je n'ai pas vendu? On va aller voir ça tout de suite. Ouais! Aou! 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 On a toujours le même loot. Toujours la même chose. Ah non, j'ai vendu! Bon, rien. Ouais, j'ai perdu tous mes diamants. Génial, j'avais carrément oublié que j'avais plus le VIP et j'ai mis des trucs en vente et 500 000 diamants partis en même pas 30 secondes parce que j'ai oublié que j'étais plus VIP et que j'avais un pourcentage sur les ventes. Quand je vendais quelque chose, c'était bien. Merci Neverwinter. C'était connerie ça aussi, mais bon, ça c'est mon avis. Hein? Bon, en fait, j'ai fait une vidéo juste pour parler de ça et pour parler de rien. Et aussi pour me dire, c'est que ça. C'est à vous de me le dire en réalité dans les commentaires. Est-ce que vous voulez que je continue Neverwinter ou pas? Franchement, j'ai besoin de. J'ai vraiment besoin de le savoir. Parce que pour moi. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas si. J'ai plus le cœur à continuer en fait. J'ai plus le cœur. J'ai vraiment. Je sais plus vraiment quoi faire. J'ai remarqué que j'ai perdu certaines abonnées parce que je ne fais plus de Neverwinter, mais bon, ça, c'est la vie, hein, c'est comme ça, hein, mais moi personnellement, je n'ai pas envie de continuer un jeu dont je n'ai plus le cœur à y jouer, en fait. Et je suis vraiment désolé pour vous, mais dites-les-moi dans les commentaires, hein, si vous voulez que je continue de faire des vidéos de Neverwinter ou pas. Si vous voulez que je continue, ben, je ferai des vidéos sur Neverwinter, mais de temps en temps, comme peut-être peut-être à la limite 3 fois par mois. J'ai vraiment envie de changer parce que je dis, j'ai plus le cœur à jouer, quoi. Je suis blasé. Je sais pas si ce mot existe encore de nos jours en 2018. Mais je sais que dans les années 2000, ça existait encore. Hein.
Mais non, je sais que j'ai perdu pas mal d'abonnés avec vu que je fais plus de Neverwinter, mais je suis désolée, je n'arrive plus en fait, j'arrive plus à faire le jeu quoi. J'ai envie de vous présenter Neverwinter, mais si Neverwinter ne bouge pas non plus de leur côté, je ne sais pas quoi faire. Vous montrez que les donjons tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, ok, c'est bon. Mais c'est pas funny, c'est toujours les mêmes vu que j'ai pas encore les... Oui, j'ai un T9, c'est le l'FBI, mais j'ai même plus envie d'augmenter mon comment dire mes campagnes quoi, tu vois. Manchepèce, je l'ai pas. Dos les dieux du nain, je l'ai pas. L'autre, je l'ai pas. Non, parce que je n'ai pas envie. Est-ce que bon, d'accord, je vois certaines personnes. Ouais, mais bon, pour le loot, tu lootes quand même deux trois trucs dans les autres donjons. Oui, mais au final, si maintenant j'en fais 10, ça me sert à quoi? Franchement, j'ai plus en réalité, non, franchement, j'ai plus le cœur. Ah oui, j'aimais bien un commentaire de quelqu'un qui avait dit avec 13K, on peut tout faire. Oui, effectivement, on peut encore tout faire, mais moi je crois que je suis un 14, je suis un 14, je crois. Hein. Ouais, toi, je suis un 14, je suis encore un peu, je suis un 14, je peux entre guillemets tout faire si je décide un jour ou l'autre de finir ma campagne. Hein. Bon, mes campagnes. Bon, pas si je vais voir. Mais non, non, j'adorais ce commentaire, elle était géniale, quoi. Et effectivement, il a raison, quoi. À 13K, on peut tout faire, quoi. Mais t'as des hic, hein. Ça dépend avec quel groupe tu tombes. Hein. Mais bon. Non, mais dites-les-moi dans les commentaires. Comme j'ai dit, j'ai perdu quand même pas mal d'abonnés ces dernières, je crois que ces dernières semaines, en plus, cette semaine ou 2 semaines. J'en avais certains qui sont abonnés, pourquoi ils ont compris que je faisais plus, entre guillemets, moins ou moins de Neverwinter, ils se sont partis vite fait. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de faire YouTube juste pour ça, quoi. Juste pour voir les abonnés, juste pour un jeu. Parce que je vois certains YouTubeurs qui font, par exemple, le mode pour le moment donné, c'est Fortnite, hein. Il y en a certains qui font, et je vois ça partout, c'est que de Fortnite pour voir les abonnés, pour voir les abonnés, pour voir les abonnés. Et, ok, c'est bien au début, mais. Si maintenant il n'y a plus de Fahrenheit, si maintenant le buzz de Fahrenheit s'arrête, il y a un nouveau jeu qui sort, ils vont faire quoi? Moi, je veux déjà changer ce niveau-là, quoi. Et oui, la raison pourquoi j'ai pas de vidéo de Tara, parce qu'aujourd'hui il va voir quelque chose. Je voulais faire un test, voir quelque chose, et ça va être peut-être un rapport un peu avec Neverwinter, mais ça j'expliquerai dans la vidéo de Tara. Mais bon, attends, je vais quand même voir quelque chose qui va être déjà dans cette vidéo-ci, mais je vais peut-être voir si je ne le mets pas dans l'autre vidéo, pour voir un peu. Ça, c'est comme leur système gratuit, moi. Au moins qu'il n'y ait pas une fois par mois, ils nous mettent un truc gratuit, mais ils ne le font pas, mais bon, c'est pas grave. C'est... Ok, 1000, c'est combien? Ok, c'est 20. Ok. 10. Mais... Non, dites-moi quoi dans les commentaires. Comme je dis, bon, je suis navré pour les abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne pour voir du Neverwinter, mais il faut pas oublier non plus, ça fait quand même plus de 4 ans que je suis sur le jeu, ça fait plus de 4 ans que je galère sur ce jeu. Ça fait maintenant plus d'un an maintenant que je commence réellement à voir la vraie côté de Neverwinter grâce à vous, en fait, avec vos questions et tout comme ça, que j'ai dû faire des recherches, parce que c'est vrai qu'il y a certaines choses au début du jeu. Moi, je pensais que tout était beau, tout était rose comme beaucoup d'entre vous. C'est comme j'ai vu quelqu'un d'autre qui avait marqué aussi dans les commentaires. J'ai joué pendant un mois et après ça m'a saoulé. Ça, j'aimais bien. Et j'en connais beaucoup de gens qui sont comme ça. Je connais beaucoup de gens qui restent sur Neverwinter parce qu'ils se sont obligés, parce qu'ils ont mis autant de temps dans le jeu, tant d'investissement dans le jeu, que ce soit de temps en temps financier, mais leur vie privée. Et tout ça, je trouve ça dommage. C'est juste un jeu. C'est pas parce que vous avez passé plus de 4 ans sur le jeu qu'il faut dire je dois continuer, je peux pas jouer à autre chose. Si vous en avez marre, dites-le. Et dites-le pourquoi. Ok? Allez. Dites-moi quoi dans les commentaires. Bisous, bisous.